Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour possiblement, je pense pas, mais la dernière vidéo de ce let's play. Je pense que c'est plutôt l'avant-dernière, mais quand j'essaie de lancer la mission, ça me dit c'est votre dernière chance de collecter. Et évidemment, on a tout fait, on a fait tout le secondaire, tous les quartiers sont à 100%, toutes les capacités sont au maximum, donc on va accepter. Et on entre dans le endgame. Là, c'est le réservoir de Central Park. Le réseau d'eau de la ville. Qui achemine la mélasse. C'est une ref à... C'est une ref à Everything Everywhere All at Once. Adieu la Terre. Bonjour planète Blue. La météorite est la source de tout ce pouvoir, non? Elle crée la mélasse, elle crée les symbiotes. Mais elle était inerte avant qu'Harry la répare. Ouais. Et c'est l'accélérateur de particules qui l'avait endommagé au départ. Il l'avait taillé à basse puissance. Oui, et donc, si on augmentait la puissance, si on la poussait au maximum... On pourrait la détruire et libérer tous les gens connectés à l'esprit d'ruche. Ouais, en théorie. Mais le réservoir doit être blindé de symbiotes. Et on sait tous que Harry ne quittera pas la pierre des yeux. À moins qu'on la pâte avec autre chose. Moi. Non, c'est juste pour illustrer... Harry reste Harry. Il pense qu'il guérit le monde. Mais pour que tout soit vraiment parfait... Son meilleur ami doit être là. Je peux distraire Harry, l'éloigner de la météorite. Et moi, je peux m'occuper des symbiotes. Pendant que moi, je vais récupérer le caillou. C'est juste pour illustrer mon propos. Très bien. On allume l'accélérateur. Plus d'esprit de ruche. Et le monde est sauvé. Qui veut des choses? Ouais, en théorie. Ok. Pete, par rapport à ce qu'a dit Connor sur l'état d'Harry, s'il est trop tard, est-ce que t'es prêt? Ça n'arrivera pas, ok? Parce que je sais que vous détruirez la météorite à temps. On va guérir le monde. Pour de bon, cette fois. Ok. Bon, du coup, on va jouer avec MJ, avec Miles et Peter, c'est ça? La météorite est quelque part dans ce machin. Harry et ses amis aussi. Tiens, ça ira mieux avec un mode Sonic. Ils sont immobiles. Qu'est-ce qu'ils attendent? Écoutez, je sais pas comment vous remercier pour tout ça. T'inquiète, Pete. On est la Spider Team. C'est bien de le rappeler. Salut, mon pote! Tu vas rester planté là toute la nuit à jouer avec ton caillou? Y'a que nous deux, Harry! C'est ce qu'on a toujours voulu! Il y a une condition. Il faudra que tu m'attrapes d'abord. Ok. Ah oui, c'est efficace. Tu peux pas te faire des toiles comme ça?
Oh oh. Tu voulais un article, Watson. Tant. Oh, c'est Alien Isolation. C'était quoi ce truc? Oh putain, ça va être The Last of Us dans le terrain de basket, dans le gymnase. Jeune. Ah oui, d'accord. Je sais pas qui a laissé cette hanche, mais j'espère qu'ils ont survécu. Tant. C'est quoi ce truc? Wow. Non, enfin ouais, démerde-toi quoi. Tenez bon. Enfin ouais. Ok. Headshot. Oscar. Norman a dû envoyer une équipe chercher un. C'est ce que je voulais faire. Et apparemment, ils n'ont pas laissé que des torches derrière eux. Ces bidons ont l'air prêts à exploser. Ça craint. Ok, sur la distance, ça va, ils sont pas dangereux. Je ne partirai pas sans ce caillou. Mais ceux qui me courent dessus, par contre, eux, ils vont être dangereux. Eux, ils vont être chiants. Je vais me la jouer full infiltration, hein, parce qu'on... On se la joue à la MJ, hein, on la joue à RP. Ok. La météorite. Il faut que je descende. Ok. Ils sont que 3 là. Est-ce que je peux toujours lancer des cailloux? Ok, je peux plus lancer de cailloux. Ça c'est nul. Le vert là, ça serait bien qu'il avance vers moi. Merde. Oh non, j'aime pas ça. C'est pour faire un test. La météorite a l'air connectée au reste de la ruche. Ah, elle est là déjà? Détends-toi, c'est juste un caillou. Un caillou alien? On va détruire le monde. Oui, aussi. Ok, et maintenant? Parce que jusque là le plan il est ok, mais ensuite qu'est-ce qui se passe? Ces créatures vont me submerger. Faut que j'y aille. Parce que le plan c'était vraiment ok, on fait ça et hop, le monde est sauvé. Mais là le monde il est pas sauvé. Ok. Elle a l'air vivante. Il faut que je me tire. Je me tire. Me demande pas pourquoi je suis.
Ah oui d'accord, c'est oui d'accord, on tue en un coup mais on est tué aussi en un coup. Ok ok. La météorite, elle a l'air vivante. Ok. Si elle récupère ce caillou, c'est mort de chez moi. Passe, s'il te plaît. Merci. Merde. Pourvu que ça mène à un endroit sympa. Sympa. Ah putain, je... Ok, je sens que ça va être chiant là. Ah le gros, je sais que le gros va me tomber dessus. Le ciel. Oh. Ouais. Presque sorti de cet enfer. Ma sortie Attends. Semble être derrière cet hélico. Ils m'ont vu ou pas? Ok, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Est-ce que j'ai toujours mon taser? Est-ce que si je vais derrière eux, ça les tase? Ok, j'ai pas l'impression. Quoique... Allez, j'ai envie de tester. Je rigole, j'ai pas vraiment peur hein, c'est juste c'est juste pour faire style. Putain je suis trop loin là. Ah ils ont bien joué les développeurs. Wow. Ok. Ah, il y avait ça, putain. Tant pis. Oh putain, je vais pas pouvoir monter parce que. Voilà, il y a ça. Comment on fait? J'ai entendu. Allez, ok. Une échelle à monter. Ah, bah ok, ça apparaît. Bah oui! Mais c'était sûr en fait! Dites-moi que c'est une blague. J'essaie de le taper, je rigolais! Je suis pas. Oh putain. Symbiote colossal. Ah oui, d'accord, là c'est plus. Ok. Dites-moi que c'est une blague. Ok. Je crois que ça lui a fait mal. J'ai esquivé. Ah, je crois pas. Je crois pas que j'ai esquivé. Ok. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto pour battre le symbiote colossal. Dites-moi. Non, mais c'était un faux tuto. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto pour battre le titan colossal. Le titan colossal. Le symbiote colossal. Hop là! Vous courez, vous l'attirez. Ça a pas marché! Parce que je suis un connard. Je me suis fait tabasser, mais tout va bien, je suis pas mort. Il faut que je monte le volume. Ok. Je crois que ça lui a fait mal. Dès qu'il passe à côté des barils, boum!
Voilà, vous le défoncez sa race. Allez, viens. Voilà. Cette symbiote est énorme, mais je suis rapide. Il est temps de se tirer de là. Allez, go. On s'en va, Max. Bah, aide-le. Et zinzin. C'est toi qui peux one-shot les gens. Du lycée, Harry. Ah. C'est ici que nous sommes devenus des amis proches. Ouais. C'est vrai. Et c'est ici que nous allons devenir frères. Ah oui. Ok. Rejoins-nous. Ouais. Allez. Wow. Ok. Ça a très mal commencé, mais ok. Mais, non, mais j'étais pas chaud. J'étais en train de lire le message en bas et en fait, c'était juste un tutoriel pour me dire que l'étoile ne faisait aucun effet. Mais vous allez voir. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto pour combattre Venom, parer toutes ses attaques. Souviens-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble. Puis vous le tabassez. Hop là. Ah merde. Déjà oublié les raclés que Flash nous a mises pendant 4 ans. Nous étions faibles à l'époque. Ok, d'accord. J'ai cru que c'était une référence à l'image ultra célèbre où il y a Venom et Spider-Man qui font un basket. Et je pensais que là, il allait me foutre dans un panier de basket. Ça aurait été exceptionnel. Sur l'autre. Qu'est-ce qu'il fabrique? Pas que je reste au sol. Eh merde. Aïe. Tu passais tous les jours à la maison après l'école. Tu dormais chez nous quand ta mère est tombée malade. Nous ne voulions pas la voir comme ça. Quand tu l'as perdue, ce jour où on était au stade, j'étais là! J'ai toujours été là! Jusqu'à ce que nous retombions malades. Eh merde! Tu nous as abandonnés pendant qu'on luttait pour survivre. Parce que j'essayais de te sauver! Ce n'est pas comme ça qu'on l'a ressenti. Chance,
Ok. Ouh. Tu veux nous rejoindre? Nous le savons. Eh hey, merde. Ok, il faut que je touche avec des attaques anti-venom pour Je sais. Une dette envers nous. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Putain, j'étais à 1 PV depuis au moins 30 secondes, là. Pas 20 secondes. Il est chaud, Fight. Mais je sais qu'il faut utiliser les anti-venom sur... Je vais faire déjà un truc intelligent, c'est-à-dire changer de capacité. Donc c'est bien beau les bras. Les bras là, mais... Ça ou les... Oh, je vais prendre les bombes, tu sais quoi. T'as plein de crustes. Ouh. Ça marche pas. Garde ton calme. Éliminez un par un. Mais merde. Ah, ça c'est chiant cette attaque. Il m'a touché d'où? J'étais en l'air. Ok. Je vais y arriver, vous en faites pas. Oh, il y a une voiture de... Ah, ok, oui, bah oui, attends, je suis con. Des symbiotes se tapent l'incruste. Garde ton calme. Éliminez un par un. Ok. Ça c'est bien, ça. Ah, mais ils réapparaissent pour que... Oui, ok, d'accord, je comprends le... Ok. En fait, ils réapparaissent pour que... Ok. En fait, les petits symbiotes, ils sont là pour que je recharge mes capacités. Oh, des symbiotes se tapent plein de rouge. Eh, merde. Ça marche pas. Garde ton calme. Éliminez un par un. D'accord, mais maintenant c'est le tuto qui me dit. C'est pas lui que je visais, putain! Quoi? Putain, c'est pas lui que je visais! La force brute ne mène nulle part! Il doit y avoir un meilleur moyen! Maintenant ou jamais! Ok. Ce qui est bon pour toi, pour tout le monde. Nous t'avons offert tout ce dont tu pouvais rêver. Et toi, tu nous as rejetés. J'aurais dû faire plus d'efforts. Excuse-moi. Puis tu nous as remplacés par Miles. Il a encore plus envenimé les choses entre nous. Non.
Il m'a sauvé! Tout comme je vais te sauver! Il est où? Ah, il est là-bas, Venom. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, d'accord, il faut changer de l'endroit, quoi. Ok, c'est pour ça que. Ok, ah, il est bien fait le jeu. Oh, l'esquive de fou. Nous n'avons jamais été assez bien pour toi et pour papa. Il manipule ton esprit, Harry! C'est mon meilleur ami! Alors pourquoi tu ne nous fais pas confiance? En voilà d'autres! Je te fais confiance, Harry! Profite cette chance que tu portes! Nous ne sommes pas une chose! Ça n'a pas marché! Et je peux libérer Harry avec plus d'antivenom! Mais arrêtez d'esquiver mes attaques! Ok. J'ai attaqué, j'ai... Ok. Un peu de musique dans ta gueule. Voilà. Ce sera bientôt terminé. Tu peux bien me faire tout ce que tu voudras. Jamais je ne guérirai le monde avec toi. Pas comme ça. La météorite. Tu nous l'as volée. Oula. Wow. Ah oui. Ah oui. Sephiroth. Oula, oula, pauvre MJ. Je crois que ces alliés n'ont pas aimé qu'on prenne leur truc. Ouais, bah, tant pis pour eux. Ok, Miles, mon grand, c'est à ton tour. Dis-moi qu'il va bien. On doit le sortir d'ici. Vas-y, Miles, va tabasser l'alien tout seul. Mais depuis quand il a des ailes? On te laissera jamais, ce caillou. Notre avenir ne t'appartient pas.
moi. J'en veux pas à ton avenir. J'en ai fait la promesse. Je me battrai pour toi, Harry. Tu n'en as rien à faire de nous. Tu ne nous connais pas. Ça, c'est Dragon Ball là ou... Il faut que j'arrête. J'essaie de parer ses attaques alors. Ok. Là, je peux parer ses attaques. Ta mère, tout comme je parle à mon père. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'elle te dit en ce moment? Smash? Que nous sommes si près du but. Ok. Bah oui, super. Il nous a maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Wow, 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 saute! J'ai pas réussi à sauter. Tu nous as privé de lui. Je t'ai privé de lui? Qu'est-ce que tu racontes encore? Je dois lui envoyer... J'ai esquivé. Alors oui, peut-être. Mais Pete n'était pas Pete. Tu crois que tu vaux mieux que nous? Pas vrai? C'est pas une compétition. C'est juste que je te préfère sans ton alien enragé, c'est tout. Et lui avoir coupé les ailes. Non, j'ai attrapé son truc de... Que tu m'aimes bien ou pas, je suis là pour t'aider. Non, ah,
je pensais que j'aurais le temps de lui lancer le truc de sang dessus. Ah, j'aurais dû utiliser le gadget. Oula! Tu fais ça pour toi-même! Ok, allez. Oh là, il a foncé tout seul, saute! Ça au pire. Quoi, elle a esquivé? Non, c'est bon. Il serait plus heureux sans toi. Laisse-nous tranquille. Super Saiyan 2. Allez, go. Finissons-en. Fou. Eh merde. Maintenant rends-moi mon ami. Nous sommes ton ami. Vite, qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi à mon pote. Non. Pitié! Laissez-le temps! Oula, le pauvre hélico! Maram. Presque.
Mais pourquoi il y a un camion qui roule alors que c'est l'apocalypse aussi? Bats-toi, Harry! Bats-toi! Je peux pas. C'est fini. Tu vas devoir... Tu vas devoir me tuer. Guérir le monde, vite. Ensemble. Ah oui, ça se nettoie vite, hein. T'imagines, tu te réveilles et t'es sur un feu rouge et tu tombes. Quel enfer. Attendez, je regarde juste. Combien de temps de vidéo? 44. Oh, bah ça va, on a encore quasiment. J'avais peur qu'on ait atteint les 1h. Ah, je me disais pourquoi Harry s'est désintégré, mais... Harry, je suis désolé. Je suis désolé. Ah.
Faites-moi de la place. Miles le MVP, encore une fois. Miles le roi du monde, encore une fois. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Ah bah voilà. Mais Miles, c'est vraiment le roi du monde dans ce jeu. C'est terrible. C'est Spider-Man Miles Morales 2 en fait. Il faut l'emmener à l'hôpital. Je pensais sincèrement que Harry allait mourir et que justement Norman allait devenir le méchant du prochain jeu. Apparemment pas, pour l'instant. À voir. Harry. Son pouls est faible. Faut pas traîner. Qu'avez-vous fait ? Mais... Que lui avez-vous fait ? Je suis désolé. Je viens avec vous, attendez-moi. Bon bah ok, Norman sera le méchant du prochain jeu. Malgré les signes d'activité cérébrale. Les chances de rémission sont très faibles. Maintenez-le en vie. Pourquoi ? Pourquoi être aussi corrompu ? Pardon, désolé. Désolé. Putain, je viens de niquer une scène triste. Ouh. Allez, préparez le sérum G. Au plus vite. Le bouffon vert. Spider-Man 3. Le sérum G comme Green Goblin. Voilà maintenant plusieurs années que le destin s'acharne sans cesse sur cette ville. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons affronté la maladie, la criminalité, le cataclysme. Malgré la fatigue, l'inquiétude, l'inertie, le stress, nous n'avons jamais perdu espoir. La ville va devoir guérir. Nous souhaitons tous un retour à la normale. Mais c'est quoi, la norme ? Est-ce que ça existe encore ? Depuis une demi-heure, je vous raconte comment ces événements m'ont transformée. Mais qu'en est-il de vous ? Dans cette nouvelle série, j'irai à la rencontre des habitants de la ville. Découvrir nos nouvelles habitudes, nos nouvelles attitudes, nos opinions et convictions. J'espère que vous me suivrez dans cette quête. Vous étiez avec Mary Jane Watson et vous écoutez La Nouvelle Réalité. Mm-hmm. Wow.
Épisode 1, fini. Cool. J'en sais rien. Tu peux en prendre ? Une minute. Je veux te montrer un truc avant. Ok. On met du sirop dans la pâte. Je vais t'en prendre. Merci encore pour la donation, Peter. Ah. Le MF. Pete. Est-ce que t'as parlé à Miles de ça ? Pas encore. T'es prêt ? Miles... Ça... Oui. Ça fait un moment que je voulais te parler. Enfin, on parle tout le temps, tous les deux, toi et moi. C'est... Et franchement, c'est toujours sympa. J'adore parler avec toi. Seulement, je t'ai encore jamais... parler de ce dont je voudrais te parler, et franchement, c'est important. Pete. Attends, j'ai pas fini. C'est bon, je m'en occupe. Je prends le relais. Tu peux redevenir Peter Parker. T'es sûr ? Parce que c'est une très grande ville. Je peux gérer. Tant que t'es toujours là pour me donner des conseils. T'en as pas besoin. Peut-être pas maintenant, mais... un jour, qui sait. Je serai toujours là. T'inquiète. Mon pote. À plus. Eh ben. Je le sentais venir, honnêtement. Mais ouais, ça fait un petit pincement quand même. Mais je pense que la série va se transformer en Yakuza et que Peter ne pourra pas prendre sa retraite aussi facilement. Est-ce que j'aurai le temps de voir tout le crédit de fin avant que la vidéo se termine, dans bien combien de temps ? Il reste 8 minutes. Non, 6 minutes. Oh, stylé ça. J'espère que le crédit dure moins de 6 minutes en tout cas. Parce que je peux pas faire de vidéo de plus d'une heure. Mais écoutez, si la vidéo se coupe, je continuerai directement après. Oh, ça c'est stylé ça. C'était super cool, cette cinématique finale. Le combat final aussi était très très bien. Le QTE final, bon moi j'ai pas eu le QTE, mais la cinématique finale là, dans les airs avec Venom qui essaie de rattraper la météorite et tout, c'était dinguissime. Je suis contente d'avoir enlevé les QTE, c'est pour ce genre de scène que j'aime pas les QTE. Là je voulais juste profiter de l'action et j'étais à fond dedans. Ouais. Et Miles du coup, Peter qui prend sa retraite. Je pense qu'avec ce qui arrive, donc Spider-Man 3, et du coup ils nous ont teasé notamment Norman Osborn et Harry Osborn, c'est le bouffon vert en général. Donc je pense qu'on aura le bouffon vert en ennemi principal du prochain jeu. J'ai lu Arthur Morgan ou j'ai rêvé là ? Enfin bref. Et je pense que ouais, que Peter pourra pas prendre sa retraite aussi facilement. Il reste 5 minutes.
En tout cas, il est très stylé le générique de fin. Ah, évidemment. Et pourquoi Miles il a cette tenue ? Trop bizarre. Ah, très stylé le combat contre le lézard aussi. C'était très très bien. Mais ouais, j'ai adoré le jeu. Très franchement, j'ai adoré le jeu. Peut-être pas autant que le premier, je saurais pas dire. Je trouve qu'il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits. Notamment les scènes avec MJ, j'ai adoré les... J'aime beaucoup que MJ ait un rôle, mais ça aurait pu être mieux. Et il y a des scènes avec Miles que... Autant Miles a un très gros rôle dans ce jeu. Oh, regardez, ils sont en vert là. Et c'est bon, on aura le bouffon vert, c'est bon, on a compris. Autant il y a des scènes avec Miles qui sont incroyables parce que bah, c'est le passage de flambeau, tout ça. La scène dans l'arène avec Martin Lee. La scène, même la scène finale là contre Venom, contre le lézard. C'était incroyable, mais en même temps, il y a des scènes qui auraient mérité un peu plus de peps. Genre sa scène avec Ellie à la fin, là, dans une de la vidéo précédente, je crois, où il va la sauver contre des symbiotes. Ça aurait mérité un peu plus de peps, de mise en scène et tout. Là, c'est vraiment salut, lol, ben, j'ai donné un coup de toile et voilà. Allez, au fait, je t'aime bien, hein. On date. Et voilà, au revoir. C'était pas foufou. Après, je comprends le délire que c'est des jeunes, ils essayent de faire ça. Ah oui, les portails, c'est vrai qu'il y a le portail de Doctor Strange aussi. La note de Wong qui était extraordinaire. J'adore Wong. Franchement, Wong, je pense que c'est mon personnage préféré de tout le MCU. Et pourtant, c'est un personnage très secondaire, mais. Oh, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Il n'y a pas un moment. Oh, cette image, elle est belle. Il n'y a pas un moment où il n'est pas drôle. Dommage que Aaron aussi n'ait pas eu un plus gros rôle. J'aurais bien aimé le voir dans la scène finale. Quand il mange chez Tante May là, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre de pas l'avoir invité. Que dire d'autre? Ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. J'ai vraiment adoré le jeu. Les level design étaient un peu meilleurs que le 1. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais les bases des chasseurs c'était un peu, c'était bien. Oh, Noshir Dalal! Ah putain, c'est Noshir Dalal qui fait Mysterio. Noshir Dalal, c'est Charles Smith dans Red Dead 2. Mais oui, mais je joue en VF, je pouvais pas... Putain, c'est en VO, c'est Noshir Dalal. Putain, trop bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Ah oui, le scorpion qui est mort aussi. Il y a eu beaucoup de morts dans ce jeu. Kraven qui est mort aussi. Le scorpion. Vulture, je crois qu'il est mort aussi. Electro. Dinguerie un peu. C'est... En fait, ils font vraiment le... J'ai l'impression que c'est vraiment... on fait table rase des ennemis de Spider-Man, de Peter. Et là, à partir de maintenant, ça va être Miles qui va avoir ses propres ennemis, ses propres trucs. Et c'est très cool. C'est ce qu'on demande. Après, Spider-Man, Peter Parker, il est intemporel. J'aime beaucoup qu'il soit remplacé, entre guillemets, par Miles. Mais il est intemporel. Oh, non! Non! Oh, stylé. Putain... Sur la photo, j'aurai le 58 minutes restantes. Je mets pause. Non, attendez. Hop, c'est bon, j'ai mis pause, je crois. J'arrête la vidéo là parce qu'il reste une minute et je pense qu'il va y avoir une scène post-générique. Du coup, je sais pas si la scène post-générique dure plus d'une minute. Donc, je préfère couper maintenant et on commencera la prochaine vidéo avec la scène post-générique. La mission finale, parce que je crois qu'il reste une mission. Et les trucs annexes qui me restent à faire. Et... l'obtention du trophée platine. Sur ce, à la prochaine, c'était super cool et on continuera de parler du jeu dans la prochaine vidéo.